Mie nilikuwa mtoto mdogo na siwewe wakisoda kisha wakinukua nikamata wakiniwewa mkazi yao. Mie nilionaka na tuko naenda kuvita wengine wako nakufa na bunduki hakuna masasi nikiona na siwezi kufa na ningali mdogo nikitoka vile. Juu tuliwatoka kawale wanyarwanda alisemaka se walikuwa nasema se tukifika Ruwaya na Goma watakamata ile mali yote baiwewe Kagame siye tuwakie vile. Na sisi tukiona genzi tuko M23 genzi tuko watumwa yao njote kitoka vile. Na tulikamataka zile masiraha za FARDC zilikuwa nazia na zile machuma za ndani za kupiga malisasi saba na tutia mbele wale Banyarwanda wanaona genzi tuko napigiwa wanatucheka. Ninataka genzi niko mtoto nirudie kwetu siku hadui watamutosha kwetu niende nikali na jamaa yangu nichunge ngombe zetu. Moi j'étais berger de vaches lorsque les rebelles du M23 m'avaient trouvé pour m'enrôler des forces dans la rébellion. Le M23 m'avait pris des forces là où j'étais à Boucha et depuis ce jour-là, je n'ai plus revu ma famille. Dans cette guerre à laquelle nous avons participé ici au Congo, les corps des militaires rwandais qui mouraient au front étaient rapatriés pour enterrement au Rwanda. Mais ceux de nos frères congolais avec qui nous étions dans les M23 étaient abandonnés pour être mangés par des chiens dans la forêt. C'est lorsque je vis que la situation devenait insupportable dans la rébellion que je me suis rendu au FARDC. La guerre que nous menions contre les militaires des FARDC nous a coûté tellement cher, car nous essuyions chaque jour des tirs et les militaires RDF qui nous aidaient nous mettaient toujours à la première ligne pour que nous mourions pour des raisons que nous ne connaissions pas. La seule grande motivation qu'on nous donnait, c'est qu'une fois que nous prendrons la ville de Goma, nous serons riches avec des bons salaires. En lieu et place de nous donner des salaires, ku M23 nikajirandre ku FARDC parce que nilikuwa natatizwa na bashefu yangu huko walikuwa wananitatiza kunipika kukula hatukulake nikaona mimi ile maisha sitaiweza nikatoka huko hatukukua nalipiwa ila tu walikuwa natumoralize ke tutalipiwa tukisha kamata Goma na minere ya Rubaya. Kumwanzo tulikuwa tunabaanimia, lakini kufatana na vita jinsi lijiderule, tukaona hawana nguvu, kitumaini kwao kikakatika. Cho tukabatoka. Mimi ninataka FARDC niintegre, ili nigombanie nchi yangu na niokowe wandugu zangu ambapo wanatatizwa na jeshi ya Rwanda. Moi, Nkurunziza Juvenal, je sensibilise les militaires du Rwanda à ne pas sacrifier leur vie pour les intérêts personnels des Kagame. Ça ne sert à rien. Ils demandent aux militaires rwandais de venir piller la richesse du Congo, les minerais, avec la couverture de venir protéger les Tutsis qui seraient marginalisés en RDC. Cela n'est que mensonge, car le pillage des minerais est la vraie raison de cette guerre. Et à l'aise, et nous osons croire que votre message va aller très loin de manière à ce que nos frères qui se sont égarés reviennent à la raison, parce qu'il en va de l'intérêt et de la République démocratique du Congo et du Rwanda, mais pourquoi pas de toute la sous-région. Merci, merci mon ami. Écoutez, ce sont des rendus du M23 qui ont finalement compris que l'aventure d'un M23 est sans lendemain meilleur et qui sont revenus à la maison. Mais aussi parmi eux, vous avez un militaire rwandais du RDF qui a été envoyé sur les sols congolais pour faire la guerre contre la République démocratique du Congo. Il a compris que ça ne valait pas la peine qu'on a envoyé, que le gouvernement rwandais a envoyé des jeunes gens combattre leurs frères pour l'intérêt d'un seul individu. Et c'est ça ce qu'il vous a dit. Il a déposé les armes
Et voilà, il a été capturé. Il est bien traité, comme tout le monde. Bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité. Nous sommes le jeudi de novembre 2023. Moïse Hang est avec nous. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Alors Moïse, il y a déjà ces M23 qui se sont rendus au FARDC. On voit déjà les images que nous balançons à ceux qui nous suivent. Ces éléments M23 se sont rendus au FARDC. Vous aviez suivi leurs propos. Il y a ceux qui témoignent comment ils ont maltraité, comment ils ont décidé, comment ils ont été recrutés. Mais vu la situation dans laquelle ils vivent, ils étaient obligés de quitter le M23. Des témoignages tragiques, des témoignages qui effectivement démontrent la promiscuité extrême que traversent ces compatriotes. D'ailleurs, il y a même des enfants. Oui. Ça veut dire déjà le M23 viole intentionnellement les prescrits du droit international humanitaire et même effectivement les droits des enfants. La Convention internationale relative aux droits des enfants qui interdit aux groupes rebelles, même aux belligérants, d'utiliser les enfants lors des hostilités. Ça veut dire déjà que nous, on est quand même très, très réjouis de voir qu'il y en a qui prennent ce courage, effectivement, de chercher la bonne voie et qui comprennent qu'ils ont effectivement fait fausse route. Bienvenue à ces compatriotes et j'en appelle à d'autres qui se retrouvent aujourd'hui au niveau effectivement de ces groupes-là à pouvoir effectivement quitter et rejoindre effectivement les forces armées de la RDC. Donc déjà c'est un signe fort, un signal fort effectivement de l'échec total de ces rebelles. C'est comme s'ils subissent déjà des pressions. Comme pas possible. Mais dès lors que vous commencez à recruter les enfants, ça veut dire que vous êtes à bout du souffle, vous êtes aux abois. La guerre, c'est entre adultes. Mais vous intégrez les enfants dans votre groupe, dans votre rébellion. Ça veut dire que vous avez fait de tout votre mieux. Vous avez recruté les jeunes. Vous avez violé les mamans telles qu'ils les font. Mais maintenant, vous commencez à utiliser les enfants. Chers compatriotes, et heureusement vous aviez pris le courage effectivement de revenir sur la bonne voie, et la moindre des choses que nous pouvons en tout cas dire ici, c'est de saluer effectivement ce courage là de ces compatriotes. Ce n'est pas aussi simple quitter dans un groupe rebelle comme le M23, mais c'est le journaliste, c'est aussi un courage non négligeable. Donc déjà nous on salue cet acte. Et nous osons croire que d'autres compatriotes qui ont été obligés d'intégrer forcément ces mouvements, ils vont aussi faire de même. Alors, c'est quoi la situation, monsieur Moïse? Est-ce que les jeunes sont toujours sur la ligne de front? Effectivement, les jeunes, Oisalendo, l'autodéfense ne lâche toujours pas. Évidemment, c'est la guerre. Ce n'est pas comme, ce n'est pas effectivement un match des dames où vous vous réveillez, ou du moins, vous faites effectivement, vous essayez un peu de serrer les pions et déjà vous gagnez, mais c'est qu'on fait à notre niveau, et les Oisalendo qui sont aussi la première ligne de front, ils essaient un peu de sauvegarder, de protéger les zones qui ne sont pas sous le contrôle des rebelles, et essaie un peu de fournir pas mal d'efforts pour voir dans quelle mesure du possible ils peuvent déloger les rebelles de là où ils sont. C'est vraiment une guerre, on ne blague pas. On ne blague pas, donc il faut beaucoup, alors s'il faut dire travailler, parce que c'est... Tout à fait, les jeunes travaillent et la population doit toujours garder son mal à la patience. En principe, la protection des civils et même du territoire revient en premier lieu aux forces armées congolaises FRDC. Mais pour le cas de Figi, comme la menace pèse, c'est effectivement pour cela que même nous les jeunes, on s'est dit qu'on ne peut pas croiser les bras.
nous sommes effectivement mobilisés et déjà on essaie un peu de donner les meilleurs de nous-mêmes. La plus belle femme n'est plus donnée que ce qu'elle a, mais le FRDC devrait effectivement de leur côté tout faire, tout mettre en œuvre pour mettre hors d'état de nuit ces aventuriers du M23. Je suis optimiste que tôt ou tard, nous finirons par effectivement gagner cette guerre, nous finirons par les déloger de toutes les localités qu'ils occupent, croyez-moi. On parle du remaniement, en tout cas du commandement militaire des FRDC sur plusieurs axes dans le petit nord du Nord Kivu, sur décision du gouverneur militaire à l'intérim, voilà. Il y a le général de brigade Dieudonné Muhima Batachi qui est commandant intérimaire des opérations Sokola D des FRDC couvrant en tout cas les territoires de Masisi, Rutshuru, Nyiragongo et Walikale. Il y a le colonel Dieudonné Damate Ambassi, commandant adjoint des opérations Sokola D en charge des opérations et renseignements. Il y a le colonel Ale Chote Rokemba, commandant axe Sake Kichanga. Il y a le colonel Honor Mumbere Kizau, commandant 11e brigade de FRDC et commandant Sego, axe Sake Kichanga. Il y a le colonel Papi Mozembe et Pape, commandant 21e brigade de réaction rapide de FRDC et commandant de l'axe Goma Kalengera. Il faut dire que certains officiers d'ailleurs ont été appelés à Kinshasa après la chute de Kichanga. Mais effectivement, c'est tout ça ce que nous attendions. On ne peut pas comprendre que des zones soient occupées et reconquise par les rebelles, et il y a des responsables en fait qui en principe devraient effectivement être sur place et tout mettre en œuvre pour que cela n'arrive. Donc le gouverneur, c'est effectivement le commandant des opérations au niveau de la province, et ça revient dans ses prérogatives d'apprécier effectivement l'apport de tout un chacun, de tous ses officiels, et les cas échéants effectivement de déchoir ou effectivement de remplacer X ou Y officiel. Là, il n'y a pas le débat. Tout ce que nous, on peut espérer, c'est que les nouvelles énergies qui seront déployées dans tous ces axes vont effectivement venir avec une nouvelle touche et on peut espérer que les lignes vont bouger. Donc moi, personnellement, je salue effectivement ces remaniements. D'autant plus qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, on ne peut pas se voiler la face. Les FRDC ne donnent pas au point que nous l'attendions, messieurs les journalistes. Et quand le gouverneur prend ce courage-là de remanier, d'essayer un peu de remplacer les officiels, c'est effectivement dans les soucis, effectivement, de voir dans quelle mesure du possible les nouveaux, effectivement, les nouvelles figures vont peut-être relever les défis, et ça, c'est tout ce que nous attendons aujourd'hui, messieurs les journalistes. Si les FRDC devraient aussi travailler au même degré que le Azalendo, peut-être que déjà les M23 ne seraient même pas Bunagana, mais espérons. Je suis vraiment très optimiste et nous allons effectivement d'ici là, espérons, les déloger dans toutes ces localités. La moindre des choses qu'il ne faut pas perdre aujourd'hui, c'est l'espoir. Si nous perdons l'espoir, si par exemple aujourd'hui la paix au ventre nous pousse à commencer à quitter Goma, c'est déjà le calvaire. L'ennemi va essayer un peu maintenant de se retrouver, mais il faut toujours rester intact et optimiste. Est-ce que pensez-vous qu'avec ces nouveaux officiers qui viennent, ça va changer la donne? Mais effectivement, parce qu'ils comprennent que pour eux, dès lorsque vous êtes nommé, ça démontre d'un degré suffisant de confiance qu'on vous octroie. On vous déploie dans une zone, au besoin, on vous donne plus de grades. Ça veut dire qu'on a trop confiance à vous et on attend quelque chose d'innovant et de nouveau de votre part. Celui qui sera déployé, par exemple, à Masisi, il doit essayer un peu aussi d'apporter sa touche. Il doit essayer un peu d'aller au-delà de son prédécesseur. Et s'il ne le fait pas, messieurs les journalistes, je suis tenté de croire que l'hiérarchie pourra apprécier effectivement son travail et agira en conséquence. Alors, on parle de cette actualité aussi. D'abord, avant qu'on parle de la SADC, il y a ce témoignage dans l'est de la RDC, fuir sous les bombes du M23. Je cite, il n'a pas
il n'a pas 5 ans et plaire à vous déchirer les cœurs. Sa mère les tire par la main. Il trébuche pieds nus dans les cailloux alors que quelques centaines de mètres derrière lui, des obus de mortier explosent dans les mâts de bambou perdus dans les montagnes de l'est de la RDC. Le témoignage d'un enfant de 5 ans interrogé par l'AFP. Alors, c'est... ça décrit comment les choses sont en train de fuir. Effectivement, ce n'est pas quelque chose d'aussi facile que vous pouvez le croire. On est en train de traverser, messieurs les journalistes, une précarité extrême. Nos compatriotes qui sont dans ces zones, je vous dis, ils sont vraiment confrontés à d'énormes défis, à d'énormes difficultés. Même ceux qui arrivent ici à Goma, vous-même, vous êtes témoin oculaire de ceux qui sont dans la périphérie de Goma, dans différents cas, à Boulengo, à Don Bosco et même à Kanyaruchinya. Non seulement ils sont dans des abris de fortune, mais aussi ils sont dans des espaces qui sont non seulement saturés, mais ils n'ont même pas une assistance humanitaire à la hauteur effectivement de leurs problèmes. Donc ce témoignage-là, c'est une fois de plus une voix qui vient effectivement d'interpréter ou de traduire la tragédie qui traverse nos compatriotes. Mais la moindre des choses que nous pouvons leur dire, c'est que aussi longtemps que vous vivez, chers compatriotes, ne perdez pas l'espoir. Vos fils, vos filles, Wazalendo, votre armée, les FRDC, ne cessent de fournir jour et nuit assez d'efforts pour voir dans quelle mesure possible vous pouvez regagner, vous pouvez retourner dans vos territoires et dans vos villages pour cultiver vos champs et vivre comme à la normale. Cette guerre nous est imposée injustement par notre voisin, un inhumain qu'on appelle Paul Kagame. Et un jour, tôt ou tard, il payera cher de ce qu'il nous fait. Je n'ai pas, effectivement, je partage personnellement, effectivement, cette souffrance de nos compatriotes. Moi-même, j'ai des familiers qui sont à Kiwanja aujourd'hui, avec lesquels, même pour communiquer, il faut effectivement passer par les dos de la cuillère. Une fois, on vous attrape en train de communiquer avec quelqu'un qui est à Goma, et vous êtes à Rutshuru, déjà on confisque votre téléphone, on vous torture, et que sais-je. Ça veut dire que nous traversons une situation vraiment insupportable, mais on peut toutefois garder l'espoir. Les chefs d'État de la communauté est-africaine se sont réunis brièvement mardi soir pour évoquer la situation à l'est de la RDC. Un sommet écourté pour des raisons techniques et qui doit se prolonger en présentiel ce samedi 4 novembre 2023 à Luanda, en Angola. L'objectif est d'avancer sur le déploiement de la force militaire attendue prochainement dans le pays et qui est en discussion en tout cas depuis le 8 mai dernier. Personnellement, je dois le dire avec toute honnêteté et toute sincérité, je n'attends pas grand-chose de la part de la SADC. Toutes ces forces étrangères qui sont venues ici, on croyait qu'elles vont nous aider. Mais déjà, l'expérience les démontre. L'EAC est sur place. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Plutôt que de nous aider, elle cohabite avec l'ennemi. Elle joue effectivement à une force d'interposition et ne nous aide pas à grand-chose. La MONUSCO que nous chassons depuis belle lirette, c'est bien bon de dire qu'on veut déployer la SADC et même les responsables de la SADC à les attendre parler. Ils donnent l'impression déjà qu'ils sont vraiment voués à la souffrance du peuple congolais. Mais l'expérience que nous avions, elle est décevante. Ça veut dire que moi personnellement, ça je le dis avec tout mon cœur, je ne vois pas la SADC venir opérer des miracles ici. Ce que l'EAC n'a pas été en mesure de faire, ce que la MONUSCO n'a pas été en mesure de faire, je ne sais pas si l'EAC, la SADC le fera. Je la considère effectivement, telle que vous le dites, comme une force, non seulement de plus, mais une force de trop. Comment est-ce qu'on va surmilitariser le Nord Kivu et croire qu'on va effectivement apporter la paix? Dès lors qu'il y a beaucoup de forces, chacun avec son agenda, chacun avec ses tactiques, chacun avec effectivement
ces idées derrière la tête, on ne peut pas espérer à une paix durable. Et c'est parmi même aussi les défis auxquels le gouvernement devrait pallier. On ne peut pas surmilitariser notre province. Déjà là, beaucoup de militaires de la SADC, beaucoup de militaires de l'EAC, beaucoup de militaires de la MONUSCO. Il y a déjà les instructeurs qui font un travail salutaire. Et quand même, ça se voit même sur le terrain, dès lorsque vous arrivez à Rutshuru-Eda, le Nyiragongo. Mais imaginez-vous, messieurs les journalistes, on est avec les instructeurs, les Blancs. On est avec les militaires de l'EAC. On est avec les Oazalendo qui sont très déterminés. Les FARDC, encore la SADC, encore la MONUSCO. Mais jusqu'à quand? Je crois que... La SADC devrait essayer un peu de se reposer et à assister, observer d'abord là où on va en arriver avec toutes les forces qui sont ici. Mais la déployer ici, j'imagine que nous risquons de créer notre problème en croyant que nous sommes en train de résoudre les vrais problèmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant concrètement? Ce qu'il faut, c'est tout simplement ne pas croiser les bras. Le FARDC doivent continuer à lancer les offensives contre les rebelles. Le gouvernement doit consacrer le maximum du budget national à l'armée, octroyer effectivement tout le matériel possible, toute la logistique possible aux militaires et aux besoins, essayer un peu d'accompagner les Oazalendo pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de la République. J'ai vu le ministre des Affaires extérieures, Christophe Lutunula, là, hier, signer effectivement un protocole d'accord sur la collaboration militaire entre la RDC et le Qatar et la Serbie. Ce que nous attendons, comme nous traversons une situation hors du commun, une situation très compliquée, on peut, tout ce que nous voulons, c'est que ces deux pays et même d'autres pays amis du Congo puissent nous fournir aussi leur contribution militaire dans l'immédiat. Mais la Serbie, le Qatar ont une industrie militaire. La SADC s'est réunie. Quand vous dites une chose et son contraire, vous appelez à la Serbie, je ne sais pas. Et le Qatar, effectivement, qui ont une grande industrie militaire. Pendant que ces pays vous fournissent, je ne sais pas, l'aide militaire, pendant qu'il y a les voisins, les amis, les frères africains qui sont là, notamment la SADC qui s'est réunie. Comment vous... Alors, le Qatar, qui a une grande industrie militaire, et même la Serbie, ce sont quand même effectivement des pays un peu lointains, mais qui ne complotent pas contre la RDC, mais qui ignorent que parmi nos voisins, il y en a qui jouent la politique des deux poids, des mesures. Tantôt, ils donnent l'impression d'être à nos côtés, mais tantôt, ils collaborent avec l'ennemi. Le Rwanda nous a démontré cela et nous le déplorons du jour au lendemain. On ne peut pas encore vouloir que nous puissions avoir un deuxième Kagame. Ça, c'est d'abord la première chose. Ça veut dire que il y a de quoi douter avec certains de nos pays voisins qui collaborent avec l'ennemi. L'Ouganda, vous le savez, messieurs les journalistes, aujourd'hui, les ADF, la plupart des éléments ADF, ils sont ici de l'Ouganda. Le même mouvement lui-même, il tire ses racines en Ouganda. Alors, parfois, on est inquiet, et c'est ce qui justifie notre réticence à l'égard même de l'apport de tous ces pays. L'EAC, ici, dans l'EAC, il y a des Kenyans. Dans l'EAC, il y a des Burundais. D'ailleurs, les Burundais qui aussi fournissent quand même assez d'efforts au niveau de Massissi. Ça, on les salue. Mais il y a aussi des Sud-Soudanais et que sais-je. Ça veut dire que tous ces pays se retrouvent dedans. La MONUSCO qui a aujourd'hui, qui est ici et qui a la FIB. Au sein de la FIB, il y a presque tous ces pays. La Tanzanie s'y retrouve et les restes. Mais ils n'ont pas été à mesure, effectivement, de maintenir la paix. Voilà pourquoi nous disons, pour le moment, il faut regarder de l'autre côté de la rive et voir peut-être un pays sérieux qui peut effectivement nous aider. Mais en attendant, la première mission revient au gouvernement congolais. C'est pour ça qu'on s'appelle État. On ne peut pas comprendre que dans un État normal comme le nôtre, des petits aventuriers se permettent à conquérir des zones et endeuiller nos populations. Mais le gouvernement, il est là pour ça. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez tout mettre en œuvre, veuillez tout faire
pour effectivement que la paix revienne ici. Merci. Et nous le constatons dans votre, dans vos agissements et même dans vos paroles. Vous avez cette volonté-là d'en finir avec cette rébellion du M23. Ce que nous attendons, ce sont les actes concrets. Essayez un peu de transcender les discours en faisant des actes et on peut effectivement remporter avec cette guerre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Moïse, numéro de téléphone. +243 99 25 42 946. J'ai dit 99 25 42 946. Pamoja. Merci. Fait de cet entretien. Mesdames et messieurs, bye bye.